volonté de se rattraper, de changer le monde, d'inspirer. Cette volonté qui allume une flamme en toi, qui t'anime et qui te donne envie de tout casser. Cette flamme, en réalité, te suit déjà depuis tout petit, mais ne se manifeste que plus tard. Lorsqu'elle s'allume, elle donne du sens à ta vie. Tu sais ce que tu veux et tu te mets à travailler pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années. Et c'est là que tout se complique. Alors qu'au début, la flamme qui brûlait en toi ne faisait que grandir, petit à petit, elle se met à diminuer. Sur ton chemin, tu rencontres la frustration, la haine, les doutes, le manque de motivation, et ta flamme diminue toujours plus. Jusqu'à ce moment où t'es totalement découragé, tu ne veux plus rien faire, t'es abattu. Cette phase est normale, et elle est très difficile à accepter. Mais on l'a déjà tous connue. Il y aura des jours où tu ne progresseras pas, des jours où tu n'avanceras pas, des jours où les émotions vont te surmonter, jusqu'au jour où toutes les raisons seront bonnes pour abandonner et ta flamme s'éteint. T'as fait des sacrifices, t'as persévéré, t'as travaillé plus que n'importe qui pour réussir, mais malgré tout, le résultat attendu ne se montre pas. Les gens se mettent à te juger, tu te rends compte que tu t'isoles, même ton propre entourage se retourne contre toi et ne comprend pas pourquoi tu fais tout ça pour rien, comme ils le disent. Et le pire, c'est que petit à petit, tu te mets à y croire. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te laisse 10 secondes pour réparer cette erreur, te souvenir de pourquoi t'as commencé, pour raviver cette flamme qui en réalité ne s'est jamais complètement éteinte, pour croire en toi, en tes objectifs, en tes rêves et te remettre au travail. Pour réussir, peu importe le domaine, il te faudra des années de travail. Plus t'es ambitieux, plus ce sera long avant d'avoir le potentiel et les connaissances requises pour atteindre tes objectifs. Les études ont démontré que pour maîtriser parfaitement un domaine, cela demande 10 000 heures de travail optimisé. Donc même en travaillant 8 heures chaque jour dans un domaine spécifique, il te faudra plus de 3 ans pour devenir un expert dans le domaine. La constance est la clé de tout succès. Every time you break, and in every way that you break, it's definitely a chance for you to give up. But there's also opportunity. There's opportunity to get stronger. And as you crawl up and out of that dismal and wretched place, and you're covered in blood and sweat and dirt and filth as you rise above what you were, and as you take the form of who you are supposed to be, you will see that in the very act of standing up, in the very act of fighting on, you will become and you will remain unbroken. On est tous incroyablement forts quand tout va bien. On est tous capables d'avancer et de persévérer quand il n'y a aucun obstacle à franchir. Mais la différence ne se crée pas quand tout le monde est fort, mais quand tout le monde est faible. La différence se crée dans les pires moments, quand il faut aller là où personne n'a envie d'aller, là où tout le monde abandonnerait. C'est à ce moment précis que tu vas devoir persévérer, passer par-dessus les doutes, les obstacles, les critiques, les peurs, parce que c'est aussi à ce moment-là que t'es le plus près de ton but. Si t'as de grands rêves, il faut que tu comprennes que pour apprendre, il faut essayer. Et pour essayer, il faut oser. La confiance en soi passe par l'expérience, et l'expérience passe par des moments de doute. Alors lance-toi et ose te perdre, car sans te perdre, tu ne trouveras jamais le chemin qui te mènera au succès. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées
Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Qui dit mieux sur votre émission où nous analysons ou décryptons l'actualité de notre très beau pays, la RDC. Ce soir encore, nous sommes là pour en parler, pour échanger avec vous qui nous suivez. Merci déjà à vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Hein. Bonjour pour ceux qui se trouvent encore dans des endroits où il fait jour en ce moment et bonsoir à nous qui sommes en Europe centrale et merci d'être là. À connecter, commencez à partager l'émission, je vous prie, partageons nous qui aimons les Congo, hein, bah patriotes, tous ces gens-là, nous aux émissions, là, nous tombé ta comme solo, vraiment il y a Congo, tous au solo là, qu'on échange, bah idée, qu'on analyse ensemble avec vous qui êtes là, connectés, et na bandeko baza sur le plateau justement comme intervenant, bah qu'on ça la banalise, na bah mais vous aussi vous contribuez beaucoup parce que vous permettez aux autres de suivre l'émission en partageant. Je vous prie de commencer déjà à partager massivement cette émission après to bandama moke ma solo ya Congo. Là pourquoi les autres qu'on soit là particulièrement situation sécuritaire à l'est du Congo et là vraiment nous avons l'armée congolaise, l'armée du pays, les FARDC qui font de plus en plus qui s'affirment comme j'ai mis dans les titres, on s'organise de plus en plus mais sur plusieurs plans et Marami Tokoloba a été météo survolé Kaka pour vous montrer comment est-ce que nous allons vaincre cette guerre qui nous est imposée par Bapaya, le Rwanda particulièrement. Merci à vous et sans plus tarder, Tokotina Plateau Nabiso avec nos intervenants. Bonsoir à Bissa Kembetia. Comment Bissa, futur président de la République, candidat président, je veux dire. Président, puis pourquoi pas, on a qu'à ma prophétie. Alors, de la République démocratique du Congo, parmi nous, nos boutistes, nos corrompus. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Patricia, bonsoir Gianni, bonsoir Batemon Soto, Azao, Andapson à Plateau. On est là pour parler Congo. Et puis, partageons. Il va pouvoir intervenir, nous avons tapé Samaël et Naé. Partageons. Batemon Soto, Bazo, partager l'émission à Bouzo dans les réseaux sociaux. Mais il n'y a que peu de Congolais qui se connaissent. Ce qui se connecte et se concentre sur le Congo. Donc, partagez et parlons Congo. Voilà, nous parlons Congo. J'aime bien ce badge-là. Il n'y a pas de Luca. Ok. Il y a ici flambeau. Il y a moto flambeau. Oui, il y a flambeau. Il y a action positive, il y a unité. Symbole à unité, ça je suis d'accord. Symbole à unité, il y a Zaïre et Congo aujourd'hui. Adjani depuis Londres, Adjedje, Bonikuna. Oui, ça va en tout cas, merci beaucoup. Donc je me sens très bien entouré par les gens des impairs. Donc nostalgie à impairs, vous commencez très bien. Mais pourquoi pas? Donc, mais en tout cas, merci beaucoup de partager l'émission. Je pense que ça va bien se dérouler selon les informations que nous avons sur le plateau. Donc, Bissaza, donc le représentant, il y a peuple congolais, peut-être sinon il y a peuple congolais en général, peut-être en 2023, on ne sait jamais. Donc, partager l'émission pour ça, de sorte que Moutoutouaz aura peut-être l'occasion. Ce qui a ta bengita, ta zate, mais à comment? Parce que nous avons mis ce bélé dans le côté à commentaire, donc ne vous en faites pas à tout commun à Rolandayo.
Naroya, non, la plateau, ne vous en faites pas. Merci, partagez. Partagez. Mais Adjani, Oebi, que commune misère à MPR, Oebi, que parti, moi, à ton 20 à 32 ans. Donc, ça veut dire que moi, na koli, hein, à Botami, à koli, à komi tata. Parce qu'on a 32 ans, à Mbokoyo, c'est quelqu'un qui a fini les universités, hein, na Boko, même chez nous. À Sisiba Université, à Bandi Bosala. C'est pas peu, hein, 32 ans. Alors, merci avec les hauts et les bas, mais 32 ans quand même, il y a tout un régime, un pouvoir, et c'est pas peu. Alors, on attend, comment il s'appelle, Fidèle Moissa qui sera parmi nous, peut-être au côté en retard. Bande Koto partage émission Toso Solo Congo ce soir, Kolingi vraiment, Toso Lola Moi Mingi. Alors, tobana mwa muke na ba sujet yo to actualité à moi to zui lelo fraîchement le décès de ce sénateur hein qui s'appelle Flori Ntumba suite à un incendie hein oui survenir na immeuble na ye zaki na quartier ya limité à 8e rue comme on dit chez nous. Oui, voilà, c'est survenu et vraiment paix à son âme et surtout mes condoléances à toute la famille. On est des cœurs, ça fait très, très, très mal. N'a pas conditionné ni un sénateur Ouyakoufi. Il a voulu sauver justement ses enfants. Après avoir sauvé ses enfants de l'incendie, il s'est jeté du 3e niveau. Il y a immeuble Naé et il a succombé. Alors, on regarde un peu en image. Il y avait des images un peu plus longues, mais faute caca que bah bloquer disons s'il y a vraiment des images qui ne sont pas bien et c'était pas vraiment bien à regarder mais Tozuka c'est qu'on s'est amouqué quelques secondes on va suivre et puis en revenir. Et voilà, un peu en image de ce qui s'est passé, et puis Togo Sangisango, na catastrophe, Moussou, na rite, Kakamata, Dikibala, Oyo. Nzela ou Babongi Saka, National 1, je pense, Babongi Saka, mais regardez aujourd'hui ce qu'il en est après, pas plus, les Soussous, et Loko et Salami, en image encore, et rapidement, tout ça, en commentaire, surtout, Voilà. On revient sur ce plateau rapidement. Les autres ont vraiment moulaïté. Alors, Adjani, Tozo Ezakaka, comme on dit, nouvelle ou sont à Mokola Lelo, et on veut en parler rapidement, mais surtout en voir quand même en plein ville de Kinshasa, ils sont dit à modèle, voilà, la 8e rue industrielle limitée, et ce sénateur qui a succombé, ils sont dit peut-être na blessure, comment il s'est jeté au 3e niveau, ce qu'il est allé sauver ses enfants. C'est quand même drôle de voir, moi je regardais cette vidéo un peu plus, hein, et moi mon laïc, comment on est que Babimissi Moutou Bazome Maye, aucune voiture, aucun véhicule était aux alentours. Maman Moko Bamimie, vraiment, vous voyez qu'elle était inconsciente et blessée et tout, Batien Nakatia Moto et le feu monte Bandeko, continue Karakopela. Aucune intervention de, je ne sais pas, des pompiers. Rapidement, Adjani, comment les choses se font dans la ville de Kinshasa, en plein ville de Kinshasa, on n'a pas l'assistance côté pompier ou côté assistance médicale, même pour les blessés. C'est étonnant quand même de voir ces genres de choses aujourd'hui. En fait, c'est la raison pour laquelle, vous avez vu que j'avais réagi par rapport au symbole de l'impère. J'ai réagi par rapport à cela. J'ai dit 32 ans.
Et il y a un autre encore qui est passé, le PPRD, qui a fait 18 ans. Et là, peut-être aussi de l'IDPS ou encore l'Union Sacrée, Azo Koukapé, ça la chiffre, est-ce que ça fait 18 ans, 32 ans, est-ce que, qu'est-ce que nous allons avoir comme héritage de tout ce qui est responsabilité d'un gouvernement ou d'un pouvoir en place? Mais non, revenons un peu sur cette situation, il y a incendie à Limété. Limété, Eza Mitendité. Parce qu'on reviendra peut-être sur Mitendi, sur la situation au Balobi et à Route Matadi et consorts. Mais Limété, ça fait Eza, Ville Mugweza et Alelote et Akala. Je pense qu'il y a qui urbanisé. L'urbanisation a travaillé sur cet espace. Mais qu'est-ce qui fait que, à Limété, il y a une maison, un appartement qui est en train de brûler et la population et les gens sont là, Basimbi Moutou, normalement, il devait y avoir une équipe à cet endroit. Parce qu'il y a une voiture ou un camion, il y a incendie pour Nakoya, et on a besoin d'un passage, d'un accès à l'espace. Mais ce qui n'est pas le cas, vous trouvez comment est-ce que la population est délaissée. C'est la raison pour laquelle, quand je vois le signon, il y a bis en tout cas, je vais le stigmatiser. Ça, c'est le dégât. Et ça, c'est là où je dis que moi, je hais ce genre de symboles. C'est les symboles, ce sont les symboles de l'échec. Pourquoi je le dis? La ville de Kinshasa, le quartier où Babengi a limité, normalement, la Kansabato va vendre en Angleterre, ou peut-être va vendre en Allemagne, ou peut-être va vendre à Paris. Il y a un coin rouge, couleur rouge, sparkling, on appelle ça. Parce qu'il y a humanité, tout autour, il y a traitement d'eau. La distribution d'eau dans des villes et dans les appartements, c'est-à-dire dans des agglomérations. Alors, si vous vous promenez à Paris, il y a un coin rouge, il y a un bouchon. Ah ouais, les gens ont bien la maille. Parce qu'on a ce qui va déboucher, il y a l'eau qui sort. Intéressant ça. C'est-à-dire, tango. Hein. Alors, tango, ça, la distribution d'eau dans un quartier, ça, c'est juste des bornes où ils ont posé la situation. Le camion d'incendie que vous voyez qui vient dans la poste, c'est vrai, ils ont la quantité à maille déjà en cas d'urgence pendant que Batou Lukaba est installé, connecté et consort. Chaque parcelle, selon le réglementation, le urbanisme, le ministère, il y a habitat et consort, comme on voit par exemple le cadastre et consort. Nanigay nous a étonné si cette situation est Salami par exemple, na Kinsensu, qui n'est pas un coin où ils ont urbanisé. Mais imaginez que ce n'est qu'aujourd'hui la quantité d'eau pour la ville de Kinshasa, ils ont été basés travailler en gros. Est-ce que le travail pour améliorer Maï Batouba, Mela, Pona Batouba, Soukoule, la Bilamba, Bamekakoussa, la Baïzine et consorts. Mais au-delà de la distribution d'eau, il y a ce qu'on appelle ces bornes où ils ont posé, dans le coin de Balabala, dans le coin de parcelle, où ils ont un appartement, c'est-à-dire où ils ont un ndak, où ils ont un étage, Bachakango, Nabassé, il y a un immeuble et consorts. Et c'est là où, moi, je vais dire, par exemple, au lieu que nous voyons les députés passer sur les chaînes de télévision, s'insulter, parler des élections, parler comment est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir, parler comment est-ce que les gens sont en train de voler l'argent, des fois vous cherchez, Makambangwa, le billet à vol, on dirait, on dirait en l'air, aux yeux battés exactement, chiffre du vol, les aplasnini, azo regretté vol par rapport à l'ikambounini, ou azanango préoccupation que Mbongwana il fallait, et ça là, grave de constater que c'est en plein limité, et que les gens sont morts à l'intérieur. Je vais d'abord commencer d'abord dans le Cambodge. Ça ne coûte que 10 dollars, peut-être en valeur à Kinshasa, d'avoir ce qu'on appelle alarme. Nandako va bengiler les appartements pour faire louer. Je travaille dans l'habitat. Et je sais ce que je suis en train de dire. C'est une construction moderne, hein, appartement ou Anna. C'est pas. C'est pourquoi c'est la question encore qu'il faut se poser. Où sont les députés? Mais je me rappelle très bien d'ailleurs qu'il y a un beau-fils, il y a professeur Njoli. Il était mort. Calciné, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Dalek, il y a amitié, il y a bossé, mais qu'on sort. C'était son beau-fils, il y a ceux qui m'ont envoyé à moi aussi, à Balaki, et puis Banabakoufaki, Bangonion, son cas, c'était un magistrat qui est mort par rapport à ça. Oui, 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 je me souviens. Vous avez juste vu les parlementaires. Prenons le parlementaire de l'opposition. Prenons le parlementaire du pouvoir. On peut beau et bien critiquer le pouvoir.
On peut bien bon critiquer les façons dont les gens sont en train de travailler. Mais que faisait le parlementaire par rapport à la faute du gouvernement où ils allaient en place de voir un magistrat avec sa famille être calciné? Est-ce que vous avez entendu peut-être? Parce que ça, ce sont les éléments, des fois j'ai dit, les gens se mettent à accuser les conseillers, mais il y a des choses que les députés congolais pouvaient mettre sur la table au coquille qu'on calciner le pouvoir en place sans pour autant même pas ça l'élection à Bango. Comme par exemple la mort de ces juges qui étaient morts. Dont nos parlementaires qui devaient poser cette loi pour dire que tout celui qui fait louer. Il y a aussi, non, il faut pas. Parce que quand une personne construit sa maison, il y a aussi des responsabilités personnelles. Vous voyez, une personne, comme je vois ce monsieur qui nous a quittés suite à un incendie, voilà. On doit savoir aussi que dans une maison, pareil, il faut mettre ceci, il faut mettre cela pour justement revenir tout cela avant de jeter la responsabilité d'abord au gouvernement, toi-même, parce que c'est toi qui vas habiter dans cette maison-là, ou tu vas faire louer la maison. Mais quand tu y habites, tu te rassures. C'était un sénateur, je présume, dans ce monde, il y a des moyens et tout, et quelqu'un peut-être qui connaît Bastandi, il y a Banda Koulibanda, et on ne peut pas rester dans une maison sans, l'arme, et surtout que cet appartement, je vois qu'il est moderne, la construction. Apparemment, il est moderne, mais. Et ce n'est pas moderne, mais une des briques qui bâtissent ensemble. C'est pourquoi à chaque fois, je parle souvent de villageois. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas civilisés. La civilisation mondiale n'est au tambola. Les normes et les règles et les principes. Normalement, dans une maison, quand Olingo qui nous signait contrat en tant qu'un locataire, ça devait être la responsabilité de notre l'État qui devait mettre des principes pour faire louer une maison. Et je crois surtout le professeur Njoli qui était député au niveau du Parlement et il avait subi un problème avec son beau-fils, avec sa fille qui était mort. Mais jusqu'à la preuve du contraire, les gens parlent plus des élections, du pouvoir que les gens ne veulent pas perdre, le pouvoir que les autres veulent récupérer. Mais le vrai problème de notre État, les gens n'en parlent pas. Aujourd'hui encore, moi je dirais peut-être essayer une sorte de sanction par rapport à nos responsables politiques. Et là, c'est un sénateur qui est mort. Je pense que ça va cliquer dans le cerveau de ces sénateurs pour dire que comment se fait-il dans un État, quelqu'un va aller louer une maison et dans cette maison, il n'y a même pas quelque chose où ils allaient comme élément des motifs où il y a sécurité, il y a premier lieu quoi. Il suffit moi sur le Arosika et Banda, les alarmes des $10. Il fait à la mise en place. Et une maison qui n'est pas homologuée, comme tout ça, il y a Stade du Martyr qui n'est pas homologué, une maison qui n'est pas homologuée ne peut pas être louée. Et c'est ainsi, à chaque fois que je parle souvent dans les émissions, je parle d'un état des droits, je parle de la démocratie. C'est là où la démocratie trouve sa place. Ce n'est pas la volonté des gens, mais c'est un état qui est régi par des règles et des principes. Au lingi ko futi tsanda kunayo, zala na obligation. Il y a un courant, il y a un certificat, et que l'installation est certifiée. Il y a un certificat ou un certifié qui est en camp descendu. Il y a des moyens d'évacuation de ces gens qui sont à l'intérieur. Même si Bazur est à l'évacuation, mais dès que l'incendie commence, ils ont la capacité de repérer qu'il y a un problème. Et les gens peuvent sortir et dégager. Les sorties de secours. Mais quand l'État vit avec les sentiments et les émotions, si on va vivre des situations de ces gens. Mais Nanga Ganassil, ça, n'a conclu le Kinshasa que vous voyez, je vais vous donner une vérité. Bon, mon situation est là qui n'a pas dit Kibala. Les gens étaient morts. Câble à haute tension. Mais le câble à haute tension, ils ont un système qui est installé à Kango avec un système de sécurité. C'est-à-dire, câble à haute tension, ils ont un câble qui peut être tombé dans la salle ou dans un fil de terre. Pour qu'on voit tout ce qui est choc, oïda, et continue en contradiction avec la circulation et la courant. Nenge câble wane katana ki soki, et zala ki na fil de terre na se yamabele, à la seconde, dès que ça touche le sol, boum, balamo ke sauté na niveau à cabine. Mais tu sais ce qui s'est passé? Et ça, les gens, ils le savent au niveau de Kinshasa. Tous ces câbles de cuivre qui étaient en dessous, qui parce que câble y a haute tension, il est gralicolo, et puis fil de terre, ils a gana se yamabele. Les gens ont déterré ces câbles en cuivre, ils sont allés les vendre. Et les fils, câbles de haute tension, et tikala mutakala, c'est-à-dire ceux qui câblent en équiti, ils ont un système, mon côté de sécurité, qui va déclencher et salamater. Mais ce qui est encore plus grave,
aujourd'hui, si vous repassez à cet endroit, vous allez trouver encore la population qui sont en train de vendre et les Congolais regardent. Deuxième problème, les gens parlent des cartes d'incendie. Au moins, il y a Poto n'a expliqué à Paris et ainsi de suite. C'est Poto et en permanence. Naba immeuble ba sparkling ils en naba sauf que na mingi naba supermarché vous allez voir il y a des tuyauteries sauf que mingi na parking bon moi quand ils ont ya rouge et ça naba biloko moko lokola leti ba minda likolo nango et ça ka et ça disposé pour que à un certain degré où il y a température où ils allent likolo ya 25 degrés et là qu'on a c'est déclenche ça c'est ça non et pas sous karambala moko dès que pasuki mbalamoko et ben niko largué mais yango mon est dans l'eau mon quoi moi papillon qui va commencer à projeter de l'eau et c'est tio et ça namaï en permanence et comment vous pouvez penser d'un état ou peut-être une ville d'être en sécurité pendant que vous avez d'abord une difficulté il y a approvisionnement il y a maïs. C'est pourquoi l'autre fois j'ai parlé de l'approvisionnement de l'eau et ce qui s'est passé à Kinshasa, vous voyez tous ces tuyauteries de rouge, ça existait na Gombe na Limité et consorts, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pouvoirs? Les gens qui étaient au pouvoir, c'est pourquoi je suis en train de stigmatiser le signe Obisalati, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils savaient que ces tuyauteries, et Zalaki Namaï en permanence, et que Régis des eaux commençaient à avoir des soucis, ils ont commencé à faire des raccordements d'eau, Naba place Oezali prévue pour les situations, Yaba modèle Oyo. Et c'est tous ces tuyauteries, et Koufa. Et comment, Ba Mayo et comment Ropé Samaï Naba Ndaku Yabat. Et ceux qui étaient des grands chefs, ils imposaient, et aujourd'hui, les Kin Ezali, c'est qu'il est. Et le gouvernement, Oazana, n'a pouvoir siko, vous comprenez? Ça, ce sont des situations qu'on devait toujours en parler. On doit incriminer le gouvernement qui est en place. Mais de l'autre côté, nous devons faire en sorte que qu'on dise à nos opposants, arrêtez de nous fatiguer avec vos phrases d'élection. Le vrai problème, vous devez en parler parce que vous parlez plus d'être réélu, mais le vrai problème de la ville, les gens sont ailleurs. Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire. De quoi je disais, le symbole du verre, c'est un symbole de la négligence qui continue à persister dans notre pays, dont nous devons vraiment les stigmatiser et que nous en avons besoin du Logaboy. Et Zongate. Ça fait. Après ça, on a eu 18 ans. Après, on a eu 4 ans. Donc, il ne faut pas toujours répondre à ma place. Ça, 5 ans. Non, du tout. Je fais mon commentaire. Ça n'a rien à voir avec toi. Je sais que tu es bien représenté ici sur ce plateau. Exactement. Donc, tu peux bien défendre un bout de ce non corrompu. Il de jeune et ça l'a mal à monter. Il n'y a pas de très bons souvenirs. Alors, par rapport à cette situation, avant tout, quand tu as vraiment la Makamba Est, les amis, partageons l'émission, s'il vous plaît. Partageons. Alors, dis ça. Tout ce qui est à Gianni, a expliqué disons, un peu le côté négligence de la population, surtout le gouvernement, responsabilité, négligence. Et voilà, ces genres de catastrophes, c'est vrai que ça arrive, mais ça pouvait être évité quand même avec des petits seulement moyens pour éviter tout cela. Alors, Bissa, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux d'abord répondre à la stigmatisation à Gianni. Puis, parce qu'il a répété ça, c'est 3 fois, 4 fois, 6, 10, ainsi à la tienne. Sans me poser la question, est-ce que vous avez monté un père ou pas? Sans me poser la question, pourquoi tu portes cet insigne? Il ne me pose pas la question. Et comme lui, c'est un bon parleur, c'est quelqu'un qui a. Et le micro, il est menacé, ou c'est moi qui. C'est pas ça qui nous recule, je ne sais pas. Comme lui, c'est un bon parleur, il a toutes les vérités, toutes les connaissances, il explique même les pensées des gens. Je vais t'expliquer, Adam. Si je puis expliquer à papa Étienne Tshisekedi de Lumumba, de son vivant, ce n'est pas à toi que je ne vais pas t'expliquer. Parce que tu ne comprends pas. J'ai toujours assumé, accepté, dit que sur le régime de Mobutu, il y a des gens que si moi j'arrive au pouvoir, je vais les arrêter. Parce qu'ils ont détruit ce pays. Je vais être avec Mobutu là, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne suis pas avec. Un mouvement, un bateau avec Mobutu, c'est effectivement parce qu'ils nous ont gâté la chance, ils nous ont détruits, ils n'ont même pas préparé l'avenir. Mais je réfléchis à une chose. Je me suis dit, il faut qu'on commence quelque part. Qu'est-ce qu'il y a de bon? On sait que Mobutu avait fait, il n'y avait pas que de mal. L'unité nationale, la fierté à Mbokanabiso, où le pays était respecté. Et toi, tu n'acceptes jamais. Mais je suis content que sur le plateau, tu te permets de dire que non, je reste aux haine. La première fois, non, aux haine.
Donc maintenant, je comprends la position bien mieux. Là, tu mets des mots que je n'ai pas utilisés. Je te les confirme. Non, je n'ai pas. Tu mets des mots que je n'ai pas utilisés. Il se prend. Non, moi, je me prends. Non, les N, là, c'est tes phrases. Non, non, il ne faut pas mentir. On avait accepté un principe. Bon, ne mentez pas seulement. Je considère qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il n'a pas bien écouté. Non, non, il a les oreilles, il écoute très bien, mais je ne veux pas qu'il mente. Il a les oreilles à sa sourdée, donc il ne ment pas. Il n'a pas été un principe sur ce plateau. Qu'on reste des hommes civilisés, comme tu le dis tout le temps. Quand tu parles, je ne puisse pas intervenir. Quand moi je parle, la courtoisie demande à celle que je... En tout cas, excusez-moi, je ne vais pas dire. Je vais écrire ça à côté. Excusez-moi. Excusez-moi, mais je vais noter ce que tu dis. Ok, merci à Johnny. Laisse-le voler. On a un grand sujet. Ça serait lié, par exemple, un jour ou un ailleurs. On est déjà sur le plateau, il ne faut pas chercher un autre jour. On est déjà sur le plateau. Laisse-le un peu. Tu as un sujet sur le plateau et que toi et Patricia, vous avez concis, vous avez mis les titres et vous avez expliqué aux gens. Et comme yo, oui, ma famille, surtout normalement sur le plateau, on devait se concentrer sur le sujet qu'on devait débattre. Et en plus, c'est toi qui es entré à chaque fois, qu'il y en a des rives, tout en pensant qu'en face de toi, il y a des gens qui ne peuvent pas se justifier. C'est pourquoi je me permets de te répondre sur ce que toi tu as dit. Sans rancune, sans haine, sans quoi. Je vais juste t'expliquer pourquoi je porte cet signe. Il y a des gens qui sont peut-être été victimes de cet signe après 32 ans à Mobutu quand il était parti. Je t'ai dit que tout ce que tu dis est vrai. Régime impair à Mobutu est parti. Il y a régime Oyo et détruit Makabebe et Namboka. Mais il y a quelque chose que moi je ne peux pas nier, sauf toi, si tu peux le faire, je te le concède. L'unité, il y a Congo, il y a Zaïre. Au bout, tu pouvais être sorcier, pouvais être assassin, pouvais être un tueur, pouvais être tout ce que vous voulez. Le monsieur avait essayé de mettre l'unité du Zaïre, vite était la trahison des Congolais qui pensaient apporter des messies. Dieu fait en sorte que le régime n'est quoi, puis il est mort la gouvernance d'un MAP. Quand on attaque peut-être le conseil des présidents aujourd'hui, mais Mobutu n'était pas seul. Qui avait créé le MPR? Qui avait créé le MPR? Ce n'est pas Étienne Tshisekedi qui doit mourir avec Mobutu. Quand vous prenez une partie, vous les mettez sur Mobutu, et tous ces gens-là sont ensemble dans ce basket-là. Ce qui s'est passé en RDC. Aucune personne, aucun Congolais, responsabilité, ça prend à Mobutu. Mon côté, mais ceux qui sont vivants doivent payer. Mais revenons un peu sur le fait de ce qui se passe aujourd'hui, après Mobutu, Kabila, Félix. On est tout le temps, Basalate. Nous acceptons que Basalate. Et je te le conseille que tu as raison, que le régime de Mobutu fait partie, il y a au moment Congo. Je te le conseille. Mais là où moi je viens dire, regardez cet insigne, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ma baby Simboka, ma bomi Mboka, mais il y a l'unité nationale, Tobo Sanangote. Il y a une fierté de nous d'être des Aïwa, Tobo Sanangote. Même si on va condamner les mauvais côtés, je le fais même avec les régimes en place. Je soutiens les actions positives et je condamne les actions négatives. À chaque instant, je n'ai jamais été quelqu'un qui, comme toi, si tu refuses quelque chose, tu le refuses catégoriquement. Mais si tu veux quelque chose, tu essaies de voiler comme si le gouvernement, alors que toi, tu as une position claire, tu es quelqu'un du gouvernement qui soutient le gouvernement et qui ne veut pas que les gens critiquent ce gouvernement. Ça, c'est ta position. Je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté, mais ça, c'est ta position. Mais je les connais, je les respecte. Mais si on vient, par exemple, sur le plateau, parler là-bas, si j'ai Odoso, là, à Congo, par exemple, Makamboya et Sandi, Kinshasa a été conçu pour 300 000 personnes. Kinshasa, la baisse, Makamboya, pour 300 000 personnes. Et bien, rien à Mobutu, la démographie, eux, ça, les, ils n'ont pas planifié. Mobutu, au moins, il a construit quelques quartiers à Kinshasa. Des quartiers nouveaux, sortis du terrain. Les sorciers là. Il y avait au moins une petite planification. Il y a agrandissement en Bouga, même si ce n'était pas parfait. Mais que les régimes de Kabila fassent mal, que les régimes de Mobutu fassent mal, moi mon problème ne se situe pas à ce niveau-là. Je connais les problèmes, mais qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Ce que tu dis là, bien, la poteau, Matiaka, système, il y a Odessekou, tout ça. Mais quand une chasse a été construite, car là, ces choses-là existent. Pas que tu as tort quand tu dis qu'on a fauché.
n'ai jamais dit que tu as tort. Mais c'est que moi, je dis, maintenant, faisons les choses mieux. Revenons à Kinshasa, Nakamura, incendie, on a les cambriolations. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'arranger dans un pays où les caniveaux ont été déjà bouchés, Nakamambo, Kézaya, Kobeba, parce qu'on ne forçait même pas qu'ils va pousser Batoyeur. À Kinshasa, pour ça, ceux qui 18 millions, ceux qui 20 millions. Mobutu est mort déjà. Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut juste accepter les défauts de Mobutu et aller en détail. Il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, c'est mauvais. Il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, c'est bien. Parce que Félix est venu, Félix aussi va partir. Les gens qui vont venir après lui vont lui faire la même chose que les gens ont fait à Mobutu, vont lui faire la même chose que les gens ont fait à Joseph Kabila. Donc ce que nous demandons maintenant est que le régime actuel, malgré que le pays est en désordre, malgré que Bassan a battu, les efforts aux autres qui continuent de le faire et qu'on arrange. On arrête de dire, ce n'est pas un signe, on a battu un père, battu un père. Moi, je ne suis pas quelqu'un de un père. Je suis mobutiste et non corrompu. Vous voulez que je vous dise ça combien de fois? Je l'ai dit tout le temps, je suis mobutiste et non corrompu. Et j'ai pris cet signe, effectivement, pour que les autres peut-être se posent des questions. Les gens qui se pensent mélancoliques, il y a un père, Ouzobenga, sont là-bas en train de tabasser les gens. Vous m'avez déjà vu une fois sur la télé en train d'insulter les gens, de me mélanger avec ces gens-là. Je suis, si vous voulez qu'on parle pourquoi je mets cet insigne, pourquoi je suis mobutiste et non corrompu, j'ai les arguments valables de défendre ma vision à moi. Exactement. Ma vision à moi. Donc je et tu en as le droit. Et si c'est ça, en démocratie, moi, ça, c'est moi, je pense. La situation actuelle n'est toujours qu'un déboussicure au Congo. Nous voulons un changement. Parce que Mobutu avait mal fait, parce que Kabila avait mal fait. Le régime actuel. En volonté de se rattraper, de changer le monde, d'inspirer. Cette volonté qui allume une flamme en toi, qui t'anime et qui te donne envie de tout casser. Cette flamme, en réalité, te suit déjà depuis tout petit, mais ne se manifeste que plus tard. Lorsqu'elle s'allume, elle donne du sens à ta vie. Tu sais ce que tu veux et tu te mets à travailler pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années. Et c'est là que tout se complique. Alors qu'au début, la flamme qui brûlait en toi ne faisait que grandir, petit à petit, elle se met à diminuer. Sur ton chemin, tu rencontres la frustration, la haine, les doutes, le manque de motivation. Et ta flamme diminue toujours plus. Jusqu'à ce moment où t'es totalement découragé. Tu ne veux plus rien faire, t'es abattu. Cette phase est normale. Et elle est très difficile à accepter. Mais on l'a déjà tous connue. Il y aura des jours où tu ne progresseras pas, des jours où tu n'avanceras pas, des jours où les émotions vont te surmonter, jusqu'au jour où toutes les raisons seront bonnes pour abandonner et ta flamme s'éteint. T'as fait des sacrifices, t'as persévéré, t'as travaillé plus que n'importe qui pour réussir, mais malgré tout, le résultat attendu ne se montre pas. Les gens se mettent à te juger, tu te rends compte que tu t'isoles, même ton propre entourage se retourne contre toi et ne comprend pas pourquoi tu fais tout ça pour rien, comme ils le disent. Et le pire, c'est que petit à petit, tu te mets à y croire. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te laisse 10 secondes pour réparer cette erreur, te souvenir de pourquoi t'as commencé, pour raviver cette flamme qui en réalité ne s'est jamais complètement éteinte, pour croire en toi, en tes objectifs, en tes rêves, et te remettre au travail. Pour réussir, peu importe le domaine, il te faudra des années de travail. Plus t'es ambitieux, plus ce sera long avant d'avoir le potentiel et les connaissances requises pour atteindre tes objectifs. Les études ont démontré que pour maîtriser parfaitement un domaine, cela demande 10 000 heures de travail optimisé. Donc même en travaillant 8 heures chaque jour dans un domaine spécifique, il te faudra plus de 3 ans pour devenir un expert dans le domaine. La constance est la clé de tout succès. Every time you break, and in every way that you break, it's definitely a chance for you to give up. But there's also opportunity. There's opportunity to get stronger. And as you crawl up and out of that dismal and wretched place, and you're covered in blood and sweat and dirt and filth as you rise above what you were, and as you take the form of who you are supposed to be, you will see
that in the very act of standing up, in the very act of fighting on, you will become and you will remain unbroken. On est tous incroyablement forts quand tout va bien. On est tous capables d'avancer et de persévérer quand il n'y a aucun obstacle à franchir. Mais la différence ne se crée pas quand tout le monde est fort, mais quand tout le monde est faible. La différence se crée dans les pires moments, quand il faut aller là où personne n'a envie d'aller, là où tout le monde abandonnerait. C'est à ce moment précis que tu vas devoir persévérer, passer par-dessus les doutes, les obstacles, les critiques, les peurs, parce que c'est aussi à ce moment-là que t'es le plus près de ton but. Si t'as de grands rêves, il faut que tu comprennes que pour apprendre, il faut essayer. Et pour essayer, il faut oser. La confiance en soi passe par l'expérience, et l'expérience passe par des moments de doute. Alors lance-toi et ose te perdre, car sans te perdre, tu ne trouves. Essayer, mais nous voulons qu'il fasse plus, mais qu'il fasse mieux. On ne peut pas attaquer le seulement député sans pour autant que le gouvernement en a responsabilité. Qui a force de respecter les lois du pays? C'est quoi la responsabilité? Il y a gouvernement, il y a président de la République. Et quand on appelle les garants de la nation, des bons fonctionnements. C'est-à-dire que nous sommes ici pour qu'on apporte des solutions, qu'on essaie de pousser notre gouvernement et les critiquer positivement jusqu'à ce que va se faire comme là, nous prenons beaucoup de nous ne sommes pas ici, et comme il faut stigmatiser bateau. Ah, bah, voilà, t'es ici, on a bien vu l'autre, on a bien. Non, il y a chez Mobutu, il n'y avait pas tellement que le diable. Non, Mobutu, moi, ce que je prends là-bas, je l'ai dit, comme je vous ai répété ici, je l'ai dit au président. Vous avez raison. C'est pas maintenant parce que vous dites que non, mais si on les a avec, je vais porter cet esprit. Ça va rester mon insigne à moi avec ma vision jusqu'à ce que je puisse implémenter ce que moi je pense. Parce que tu le dis, ou bien tu essaies de caricaturer un national, c'est ça qui va vous. Donc moi je pense que le gouvernement a encore une raison à prendre un coup de dire avant le bar. Je comprends bien qu'il y a une d'accepter carrément que le pays est en désordre.
Il est en train de les dire ça pour autant qu'il faut être les mots carrément qu'ils ont en désordre. Le pays est en désordre. Parce que dans un pays organisé, même dans les quartiers avec les nouvelles constructions, ils peuvent commencer à le faire. Même si dans les anciennes maisons, dans les anciennes constructions, ils ne l'ont pas fait. Mais est-ce que ce régime ou les Zoroyas, ils sont en train de le faire dans un pays à faute à Mobutu? Quand les gens, quand Mobutu était vivant là-bas, est-ce que les gens construisaient là-bas terrassés comme ça, dans des rues? Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a l'opération coup de poing. On reste sur le sujet du débat. Il faut engager un autre débat par rapport à ce que Adjani reproche à moi ou à mon insigne, mais un père, je peux venir m'expliquer, mais je te dis déjà que tu as raison sur toutes les mauvaises choses que Mobutu Sassara Kina sous régime là. Donc, merci. Mon insigne ne soit pas synonyme à un père, ça signifie Mobutiste non. Et surtout, le symbole de l'unité nationale de tous les Congolais. Merci beaucoup. Alors, je coupe même. Quand un père, un signe national, a été remplacé officiellement par le gouvernement congolais. C'est-à-dire que c'est pas l'anglais qui a un mot, emblème Oyo, ma zone ici, Oyo, il va chercher quoi. Donc, c'est qui sont, comment que c'est le royaume, il y a Moutouté, comment que le royaume, il y a Bissou, Balambo, Balambo. Ok. Voilà, merci. Bonsoir à Fidèle qui vient de nous rejoindre. Alors, rapidement, on est déjà à 40 minutes de l'émission. On fait un tour à l'est du Congo. On va suivre le général Chico qui donne des explications à cette situation, justement, de la guerre à l'est et le pourquoi de son absence aussi. On suit et puis on revient avec le commentaire. Kitambo et Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations, l'état-major général est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des états d'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations, l'état-major général, au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées. Nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu des bons contacts. Ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000, je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et eux aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishishe, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Voilà, merci. On revient sur ce plateau à Gianni. Entendre parler, déjà il y a eu des rumeurs comme quoi Kartaki, général Chico, qui est vraiment totalement faux, il est là après une mission à un niveau, il y a SADC où il y a eu un Ndenga Otikoloba, tout comprendre, il ne peut pas tout nous dire, mais en entendre parler, en fait, en écoutant le général en train de parler, je me dis que les FARDC s'affirment. Pourquoi? Je le dis aujourd'hui, peut-être ça sera demain, mais je précède les choses. Pourquoi? Parce qu'ils parlent avec assurance. Ils parlent là des territoires qu'ils vont récupérer sans négociation, s'il vous plaît. Lui, le général de son état, le général-major Chico, il en parle ainsi avec détermination.
quelque part, on se dit, avec tout ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, les FARDC sont en train de bloquer, mais Bazo mené par M23, la vie très difficile. Et surtout, là, il part de la guerre contre le Rwanda. Il n'a même pas mentionné, il a mentionné M23, mais vraiment légèrement, mais il a totalement et avec énergie, hein, cité le Rwanda, donc la guerre contre le Rwanda. Et là, on peut lire quelque chose. Je ne sais pas, Adjani, quelle analyse fais-tu par rapport aux propos du général-major Chico? En tout cas, merci Patricia. Je pense que je vais essayer un peu de répondre à la question et puis peut-être retourner un peu par rapport à ce que j'ai entendu sur le plateau. C'est Gaby Sani. Alors, j'ai dit ceci. Général Chico, l'entendre et parler, vous allez comprendre que c'est un chef d'état-major adjoint général d'une armée. Et c'est comme ça que doit être l'attitude d'un chef d'état-major. C'est-à-dire, ce chef d'état-major adjoint, c'est-à-dire d'une armée, c'est-à-dire, c'est lui à la place. Il y a Général Ouazali, son chef numéro 1. Et c'est lui qui joue le rôle. Il est parti et Ouazali déclaré comme placé comme celui qui est le chef des opérations. Et quand il est en train de parler avec assurance, c'est-à-dire le chef des opérations, il y a ce qu'on appelle les bureaux opérationnels d'une guerre. Et Général Chico, tel qu'il est là, il a les informations du Rwanda et il a les informations de la RDC. Et son assurance est par rapport à la capacité de pénétrer les informations du Rwanda ou du Rwanda Zork organisé. Je pense que dans plusieurs émissions, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit... Si le Rwanda nous infiltre, et nous aussi le Congolais, nous infiltrons aussi de l'autre côté. Et les guerres se font comme ça. On ne peut pas faire la guerre avec un pays sans pour autant avoir ces informations. Sinon, ceux qui besoin d'informations, vous n'entrez pas en guerre. Donc les informations sont des informations croisées, mais la technique qu'on amène sur le terrain... Et il y a un moment où tu la réalité, la prouesse, il y a armée et qu'on sort. Alors, avoir le langage du général Chico, c'est-à-dire... Ils ont arrêté des infiltrés qui étaient au Congo. Il y a d'autres personnes qui ont été interrogées. Il y a encore d'autres infiltrés qui étaient de l'autre côté du Rwanda parce que le Rwanda n'a pas que des amis de Paul Kagame. Il a aussi des ennemis de Paul Kagame qui sont aussi des Hutus. C'est-à-dire ce sont nos alliés qui sont au niveau du Rwanda. Donc pour dire que il y a plusieurs fois sur ce plateau, on a parlé de l'intelligence des Rwandais, la capacité de Paul Kagame, dont j'ai toujours dit, et je pense que ça ce sont les phrases que je n'ai jamais arrêté de les dire, j'ai dit Kagame n'a pas quatre cerveaux. Si le Kagame il a l'infiltration, le Congo aussi a des gens qui font aussi l'infiltration au niveau du Rwanda. Donc pour dire que si aujourd'hui il y a la guerre qui va s'opposer entre le Congo et le Rwanda, je vais dire seulement, il y a beaucoup de gens qui se faisaient un peu des idées, ce qu'on appelle de l'illusion du Rwanda. Mais le Rwanda en soi n'a pas fait la guerre proprement dite. Le Rwanda a fait la guerre qu'on appelle la guerre de l'infiltration. C'est un élément de la stratégie de la guerre. Mais sur le plan, sur le terrain comme ça, le face-à-face, l'emplacement des militaires et consorts, le Rwanda n'a jamais fait face à ces genres de guerres. Exemple simple. Ils ont essayé un peu d'embrouiller l'Ouganda, ils ont essayé d'embrouiller aussi le Burundi. Vous avez peut-être la réponse. Et aujourd'hui, les Congos, avec l'infiltration qui était dans l'armée, qui est dénichée par le fait que le chef ou le chef du commandement de l'armée a été changé, qui n'est plus le cas de l'esprit qui était conduit par l'esprit des Rwandais, et on est en train de le changer petit à petit, mollo mollo. Et vous remarquez qu'il y a trop de Rwandais qui commencent à quitter l'armée congolaise pour aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus favorables par rapport à l'ère politique d'infiltration. Et vous les remarquerez par être une sortie sporadique, une fuite sporadique, il y a quelques éléments du Rwanda. Juste, je ne vais pas aller dans les détails, mais juste pour dire que non, le Congo a affronté la guerre de l'infiltration, la guerre de la trahison que nous a amené le Rwanda. Et aujourd'hui, on commence à freiner cette montée, cette force des Rwandais. Cela veut dire que le Congo a des gens qui sont en train d'étudier, qui sont en train de réfléchir, parce que l'armée, ce n'est pas seulement les armes, ce n'est pas seulement paquet à battre l'armée, c'est aussi l'intelligence qui est dans le bureau opérationnel. Dans le bureau opérationnel, vous avez l'ANER, vous avez DEMIAB, vous avez les paramilitaires, vous avez les scientifiques, les politiciens. Donc ça, cette histoire, et ça bloque mon goût, il y a les cerveaux, comment peut-être travailler pour que Bakata Rwanda. Et si le commandant des opérations Azana Langage Moko Isaac garanti, ça explique beaucoup de choses. Et puis voire même les gens qui disaient que le président ou le gouvernement qui allait de gauche à droite, c'était juste pour prendre un peu le temps
de freiner un peu l'ennemi et comprendre exactement c'est quoi la situation au Douzanango. Ça, c'est un truc que je vais mettre à côté. Mais je vais juste peut-être rebondir et puis par rapport à ce que mon frère Bissa a dit, que j'ai parlé de la haine. Je n'ai parlé de la haine de la situation de l'incendie. Dans cette situation de l'incendie, je n'ai jamais cité le nom de Mobutu. Dans cette conversation, je n'ai pas cité le nom, ni le nom de Tshisekedi, le père. Mais j'ai parlé de l'insigne, ce que l'insigne peut rappeler pendant le 32 ans de la négligence. Et je suis désolé que quand mon frère prend la parole, il va remplacer les méfaits, les dégâts, le résidu ou peut-être la conséquence de la négligence de tous les régimes. J'ai parlé du régime des 32 ans, j'ai parlé du régime des 18 ans, j'ai parlé du régime des 4 ans que nous avons encore sur place. Et j'ai parlé du pouvoir. Et quand mon frère parle du pouvoir, qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il comprend par le pouvoir? Bissé qui est en face de moi. Au Congo, le pouvoir, ça veut dire législatif, judiciaire et exécutif, aussi chapeauté par le président de la République. Et quand j'ai parlé du professeur Ndjoli, mais je faisais allusion du pouvoir exécutif qui devait prendre des lois par rapport à l'incendie. Mais la question qui a été posée sur l'incendie de Limité, vous avez plus attaqué moi que d'attaquer le problème de l'incendie. Moi, le problème de l'incendie, j'ai dit, je trouve mal dans un état où on met des licences de location parce qu'ils récupèrent l'argent de paiement des locataires qui sont sur place. Mais ils sont incapables de mettre sur pied juste des petites mesures simples qui vont coûter 10 dollars. J'ai fait des propositions telles que je suis en train de dire. Qui ne peut qu'écouter 10 dollars pour que ces gens qui sont dans ces maisons-là ne puissent pas trouver la mort parce que ils ont un smoke detector, alarme, ou ils ont un coup là, et ils ont quand même un peu de parce que ils ont un peu quelque part et que ma famille va quitter. Mais le Congo de nous, notre Congo à nous, ne le fait pas. Et j'ai cité même un exemple, alors que le professeur Njoli, c'est un député. Il n'est pas député de l'opposition, il est député du pouvoir. Qu'il avait connu son fils, sa fille et son beau-fils qui étaient morts, alors que c'était un cas qui avait touché les gens qui étaient au pouvoir. Je ne sais pas de quel pouvoir vous parlez par vous. Pouvoir, ça veut dire un monsieur qui s'appelle Tshisekedi. Je suis désolé, mais le pouvoir, ce n'est pas ça le cas. Quand je suis en train de parler, vous me poussez même à citer des noms des gens. Mais j'avais cité le nom du professeur Njoli pour signifier que non, les gens qui étaient responsables et qui devaient déclic dans le cerveau pour comprendre le problème, c'était quand même le professeur qui était encore député qui pouvait prendre des mesures. Et c'était une occasion en or pour nos politiciens qui sont du côté de l'opposition qui devaient prendre ça en main, essayer de stigmatiser le pouvoir en place afin que nous puissions avoir n'importe quelle loi. Et je me dis, par exemple, quelqu'un qui peut être député, il pourra récupérer cette occasion. Et oui, c'est le seul député qui a décidé que sans pour autant c'est une alarme. Alarme ne coûte que 15 dollars. C'est moins cher. J'ai parlé de ce que moi je fais. J'ai répondu à la situation de l'incendie. J'ai expliqué l'historique. Comment est-ce que les Congolais se retrouvent dans un problème, il y a difficulté, parce qu'il y avait des autorités de l'époque qui commençaient à faire des raccordements dans des positions ezala qui prévues pour que naba incendie ezala look after. Mais vous allez prendre la parole, vous allez commencer à me dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai stigmatisé parce qu'on avait commencé avec le symbole de l'impère. J'ai dit, c'est le symbole de l'échec. Vous avez une autre philosophie, je ne vous ai pas dit que vous êtes ceci, cela. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai parlé de l'échec. Il y a le PPRD qui a fait aussi son travail, mais je ne suis pas venu, je n'ai même pas cité le nom, ni de Mobutu, ni de la haine et consorts, mais j'ai juste expliqué les failles des responsables et du pouvoir qui sont en train de faire pendant qu'il y a des problèmes qui sont stigmatisés. Et vous n'avez pas parlé des propositions, vous avez juste attaqué moi, vous avez parlé de Mobutu, mais le problème c'est l'incendie. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose Nabanda kunyoso bacha alarme au Isaac détecteur il y a incendie et coûte 15 dollars et comme la loi bachango en place, on ne peut pas voir ça parce qu'il y avait un magistrat qui était mort. Et ça, c'est l'occasion pour l'opposition, au lieu qu'ils parlent des élections, des échecs avec des identités ou peut-être des sujets ou des alliés abstraits, mais ils ont peut-être des choses vraies et claires qui peuvent attaquer, qui est de rester parler des élections, de prendre le pouvoir. Et dans ce que j'ai dit, je ne sais pas à quel point ou à quel niveau j'ai stigmatisé le nom des gens, ni des Mobutu, j'ai parlé juste de le pouvoir, et voire même j'ai parlé du régime, et là j'ai même cité le régime qui est en place, ils ont 4 ans, est-ce qu'ils nous vont en faire qu'encore 32 ans ou 18 ans encore, sans pour autant veiller avec ces genres de choses? Laissez-moi vous dire une chose, par rapport à Ville à Kinshasa, pour moi, j'ai été à Kinshasa. Oui, je conclue, parce que je vois, il y a une confusion, des fois quand on parle ici, les gens viennent sauter sur le gens, et moi je n'ai pas parlé des gens, je voulais juste dire un truc encore, par rapport à ce que vous avez dit. Moi, pour moi,
de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, je vis, par exemple, ici en Europe, en Angleterre. Parce que moi, je suis dans l'urbanisation, je suis dans la construction, le règle d'habitation, les conditions de sécurité, l'habitation des gens. C'est ce que je fais de tous les jours. Pour moi, la ville de Kinshasa, je pense qu'on avait eu une conversation avec Patricia, j'ai dit, moi, la ville de Kinshasa, je peux le considérer comme une ville, oh, bah, ben, à Gango, et Dali, qu'on appelle ça, inhabitable. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans des embouteillages qui vous prend 3 heures du temps. Si quelqu'un tombe malade et qu'il va se mettre à l'hôpital, mais la personne va mourir. C'est un ville, il ne faut pas déclarer en gros ville, ville non habitable. Et ça, je le dis parce que j'ai. Est-ce que je cite les impairs dans les discours ici? Est-ce que je cite Mobutu? Ce sont des déclarations normales. Mais je suis étonné quand vous prenez la parole, vous venez vers moi, vous allez parler de Mobutu pendant 20 minutes, alors qu'en réalité, le problème de l'incendie est là. Vous êtes appelé à être président de la République, ce n'est pas vous acharner sur le nom de Mobutu. Menez-nous des propositions. Merci beaucoup, Adjani. Merci. Nous passons. Alors, fidèle, je donne la parole. Entendre parler Toko Talamakamwa Est, parce qu'il y a beaucoup à dire sur justement les intérêts à Rwanda. Qui est mise à nu. On savait déjà, on a vu ce jour-ci Kagame être mal à l'aise. Alors, si la diplomatie ou agissante ou pas, on ne sait pas, mais Kagame est mal à l'aise. On peut le voir par rapport à la sortie na médiatique, il y a la réponse, il y a la réponse, il y a la multiplié par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on a eu quand même, on le savait, mais là, de manière officielle, on sait, c'est l'une des raisons. Qui pousse aujourd'hui Kagame à être vraiment mal à l'aise, c'est aussi son économie qui est en train d'être, comment dire, bousculée parce que l'exploitation est hors des avec les Kamboboué. Wana Nicolas Kazadimta, c'est une révélation. Mais avant cela, je donne la parole à Fidèle. Fidèle, entendre parler le général, moi je trouve que c'est des propos très rassurants déjà de notre officier Nabiso et armée qui nous parle comme ça. Et sur le terrain, on voit les actions et on se dit ce que les autres posaient question en Koye, on a vraiment besoin. Namoni, général, je suis Kokenda qui est côté à SEDEC, côté Kuna, pour nous négocier, Waneza peut-être bah accord Moussou Seko signé, peut-être bah appui Moussou sous côté armement ou en normes, on ne sait, en normes, on ne sait pas. Mais il y a aussi la force régionale qui est toujours sur le terrain, Oyoza sur le terrain, il ne l'a pas mentionné. Je suis étonné de voir que le général mise plus sur l'armée congolaise parce que là, nous allons chasser, nous allons, et ce n'est pas qu'ensemble avec les forces régionales, ensemble, mais il y a d'autres perspectives. Bah, porte Moussousou, comme on dit, il faut une main quand même, qu'au tendre main, tout c'est dans la Russie, tout c'est dans la France, mais il va de l'autre côté, il y a Bandeko africain. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a déjà une aide de Mokweza sur le terrain. Et de l'autre côté, le général qui va encore aussi côté à Afrique Austral de l'autre côté pour justement, c'est de l'aide toujours, moi je pense, ou quelque chose de sorte pour mettre fin à cette guerre. Quelle lecture fais-tu, Fidèle? Merci beaucoup, Madame Patricia. Déjà, bonsoir Nayo, bonsoir na Jani, bonsoir Dina Ndegobisa. Je pense que Bolimbisala na continue en retard. Bonsoir la bande de Bolanda Biso. Je pense que Mbalasima na toujours na osa l'avant en fait à l'air. Merci beaucoup pour votre question. J'y suis en fait la ville de Babou. Namboka na Biso comme ils ont constitué les présidents de la République. Bamika nonyon so azwaka pour la question sécuritaire, il y a beaucoup à dire. Sur le plan diplomatique, il y a sali engagement pour azongi, pour sali, pour azui décision. Ndenge batu bazwe la rango, ndenge bazwe la rango, on fait des analyses, les autres bazo critiquer, bamsu bazo kwa kuyao. Mais toutes les démarches au asalata, je pense que azwaka conseil, il y a forces armées, nabiso d'abord. Même si a qui ne re-signé contrat et a qui ne re-signé par accord na EAC au bateau Moussou Babandé au bateau décrié en gros bateau Moussou Babandé appuyé en gros na SADEC na ONI a joué d'abord conseil d'abord na forces armées na Bissau bah généraux au bazar habilité parce que mon conseil commandant suprême mais a joué travailler en collaboration na bah généraux c'est-à-dire bah militaire au bazar bah expert na bah secteur ouana et après avoir récolté bah information nuance
tout autour naïe n'aille pas à potable na décision. Mais souvent tout le monde aura, il y a des gens tout tendance en fait qui critiquent en fait et qui donnent des options dans tous les sens. Non, ça les m'avait pas du tout réfléchir ça collègue président de la République ou soit collègue siège naïe mobima n'a pas mis souvent le bar à son entourage à m'avait sans les savoir que pas chico ou à zolo voix à peu parler ma collaborateur chef de l'État. Vous voyez, donc n'allez pas par là. Essayons d'avoir un peu de confiance. Moi, minimum, il y a confiance dans la force armée. Disons, soit dans le gouvernement, soit dans le commandant suprême. Et ils ont des informations où ils ont échappé. Peut-être que vous avez des informations. Vous avez des informations. Ils ont des informations où ils ont mettre en cause. Par exemple, M600 va beaucoup en avant. Général Chikwake Nassane, vous savez tout ce qui est tous faire partie de la SADC aussi, Mokalabiso, c'est-à-dire tous les corps, la carte ambassade, la carte structure, on est à SADC. Il y a aussi des dispositions comme la EAC, soit la Nations Unies, n'est-ce pas, si jamais, moi, quoi, j'en ai un problème, beaucoup, il y a une aide, et pas, soit il y a un mercenaire, soit il y a un appui officiel, pour un espoir qu'on doit remettre la paix, soit pour Sunga. Soit tu peux mourir pour payer sa néfice qui a munition, pour tirer éléments la binoté, pour payer ses armement, n'est pas caméra. Ça dépend de l'appréciation, il y a force armée la binoté, ou soit ça dépend de l'appréciation, il y a gouvernement la binoté. Général, si on est dans sa dé, on a les amis, le président de la République n'est pas mandaté. Je pense qu'il y a quelques traiteurs sur là, ils allaient sur armement en fait. Voilà. Et puis, l'État, ils ont la sécurité de défense moyenne ou pas, ils ont la place publique, ils ont. Mais déjà, on a la parole à Emega Lobby. C'est vrai, armée, c'est la voie diplomatique. Nous sommes à l'obata, nous sommes à l'obata. En fait, nous sommes à l'obata, nous sommes à l'obata, nous sommes à l'obata. Mais déjà, dans le DG, on peut comprendre déjà que non. Et là, on a les bossos, on les a quand même positifs. C'est quoi? C'est l'assurance qu'ils donnent. Vous voyez? C'est l'assurance qu'ils donnent. Moi, à l'obata, l'autre fois, ah ouais. Dans l'obata, qui est assez. Force régionale en fait, et assez à travers force régionale. Et Zali, il y a une solution. La solution est la force armée. Parce que je ne vois pas une armée dans le monde entier où il y a faible. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Après, il y a un peu de temps. Après, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais tous ces gens qui disent des choses dans le sens que armée. En fait, tous ces gens qui disent des choses dans le sens que. Et leur mot réseau ça la matin. Mais moi, je voudrais ici affirmer et confirmer notre armée est en train de s'organiser. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qui se font, mais et tout ça, on a la cachette, puisque pour la secret défense, on va mettre aussi la place publique. Vous voyez? Mais, basali qu'on s'organise, Madame Patricia, à la longue, ou soit bientôt, tout le monde a vu ce bon résultat. Vous savez, la guerre, où ils ont menacé Bissot? C'était la guerre économique d'abord, ministre économique, il y a finance à terre au Lobaro. Mais je pense que le Lobaro en a un plateau tout le temps. Des fois, déjà, il parle de Fokarango tout le temps que la guerre, elle est d'abord économique. La guerre, c'est la guerre de l'infiltration. La guerre, c'est la guerre de l'infiltration. Vous voyez? Donc, Ezalina Makabou, Bélé Sokota, la 4, il a fallu. Dans l'état où armé, il a mis chez Zalaginango, ou soit dans la position où il a fardé, il a fallu. Pour mécaner, nous pour restaurer nos autorités, pour restaurer l'organisation, il y a armée, Madame Patricia. Pourquoi pas? Et pourquoi j'ai dit ça? Je pense que modèle armé, la Lucie Alaki, même si comme il pendant la Ndenge à Malamouté, même si il y a toujours des irrégularités, des infiltrés, et ça, la Matabo, et ça, la Katio à Malamouté, où il ne faut pas travailler sur Yango. Mais le Ndenge Zalaki, n'est pas le souhaité, tant qu'il y a la guerre, 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 je pense que tout le monde fait tuer Mandegolabiso ou soit pour ça fait Mandegolabiso pour rien au lieu de s'organiser pour gagner du temps. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est quoi? Président de la République, aïe, la armée, la Bissot, président de la République. Garde l'écoute, hein. Je prends uniquement cet appel parce que c'est par rapport justement au général Chico. Garde l'écoute, s'il te plaît, mon frère. Je finis avec. Président de la République.
nous. Et allô. Parce que j'ai toujours un problème de son là, je sais pas. Mais c'est pas un problème, je vais quand même essayer de... Ça, c'est l'émission qu'on avait fait hier. Et je vais essayer de visualiser cette émission. Donnez-moi juste une minute pour me rassurer que le son est bon. Pour les gens qui nous suivent. Pour les adapter que l'émission sur ça là. Son en haut, ils ont qui dengue. Voilà. On va sauter. Voilà. Juste un instant, je saurai. Voilà, ça marche. Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez, pourquoi j'aurais mis cette émission aujourd'hui? On avait fait l'émission hier sur Pat Bessie TV avec Adjani et mon frère Fidel. J'ai pris quand même le temps de revoir les vidéos et les paroles qui ont été dites sur le plateau. Maintenant, je me pose la question de savoir qui est vrai et qui est faux. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que, parmi les deux personnes, je vais commencer d'abord par Fidel. Et je cherchais sur ma page ou sur les vidéos. Je n'ai peut-être pas regardé toutes les vidéos. C'est possible qu'il puisse avoir les vidéos où il m'avait dit que Kagame, c'est un bon leader. Pour qu'il le confirme hier. Mais je remercie les gens qui m'ont aidé vraiment à ne pas répondre tout le temps tic au tac sur le plateau. Mais là, en regardant les vidéos, que ce soit les déclarations d'Adjani, que ce soit les déclarations de mon frère Fidel, j'ai vite compris pourquoi les gens qualifient une tribu très valeureuse dans la RDC qui est Bazaliba tribaliste. C'est là que j'ai compris. Parce que je n'ai jamais dit que Kagame était un bon président. Jamais. Et ça, c'est impossible, Ngabisa. On a que Kagame, c'est un bon président. Nandoto, Nakwiti, Nanim, je ne l'ai jamais dit. Mais du coup, ils essayent de vous qualifier une connotation, soi-disant. Moi, j'ai toujours dit ceci. Écoutez-moi très bien. Congolais. Écoutez-moi très bien. Je dis ceci. Kagame met de l'ordre dans son pays. Il organise son pays pour nous faire du mal. Vous voulez que je vous répète ce que j'ai toujours dit? Kagame met de l'ordre dans son pays. Il organise son pays pour nous faire du mal. Mais tandis que chez nous, nous sommes en désordre. Nous sommes dans une situation où désordre est partout. Pas d'ordre, pas de la discipline. Même la justice est athée. Bakangi mutabimi, les lois bimi lobby. Chez Kagame, c'est pas comme ça. Même si tu étais tout et que tu as commis une bêtise, tu vas aller en prison. Chez Kagame, chaque personne devant sa maison nettoie sa maison. C'est pourquoi Kigali a été qualifiée de ville propre. Mais je ne suis pas en train de dire comme c'est une bonne personne. J'ai juste dit, mettons de l'ordre et de la discipline chez nous. Parce que Kagame est en train de réussir à nous détruire. Parce que nous sommes en désordre. Et là, vous avez quand même des gens qui se permettent de vous dire des choses sur le plateau des émissions. Moi, Bis a appelé Kagame du bon président. Fidel, je ne peux pas te répondre sur live parce que chaque personne a ses minutes. J'aimerais que tu reviennes un peu sur le plateau avec moi. Pour que tu essaies de prouver. Pas dire que non, vérifie bien. Je vérifiais toutes les vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, jamais. La personne que vous pouvez condamner en RDC pour avoir fait de Kagame un bon président,
un bon partenaire, quelqu'un de fiable, c'est le président Félix. Peut-être que vous ne comprenez pas à qui vous devez vous adresser. Quand le président Félix parlait de Kagame, que c'est un exemple, moi je disais non. Donc du coup, bon, je ne sais même pas depuis quand vous êtes fidèle à Gianni, commencer à parler sur l'histoire des Congos, sur les médias, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé en 2011. Mais en 2000, en 1999 déjà, 18 déjà, je m'étais opposé à Kagame. Je me suis battu contre Kagame. Iziro, Aketi, Bounia, Papa Bounia, Bumba, Lisala, Binga, Gemena, Businga, je les ai libérés entre les mains de Kagame. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses positives contre Kagame en RDC que tout le monde qui parle sur ce plateau. Tout le monde. Positive. Et je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas soutenir le président Félix contre Kagame. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais dit. Le problème est que vous prenez le pouvoir de Félix comme c'est un pouvoir tribalo. Et pourquoi moi je suis fier? Pourquoi j'avais dit à Papa Mbanda, arrête, ce que tu fais n'est pas bien, on doit s'associer à l'UDPS. Je suis le seul d'ailleurs de l'Équateur. Je viens du même village que Mbanda. Même village que Mbanda. Quand Félix a osé dire des choses contre. Quand Bemba a osé dire les choses contre Félix. J'étais le premier à dire que Bemba n'est pas exemple parce que j'ai eu le préf de Jean-Pierre Bemba. Mais aujourd'hui, Bemba est à côté de Félix, il bénéficie de tous les avantages plus que moi. Mais Bemba avait dit que Félix n'avait pas le niveau de gouverner le Congo. Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo, à Genève. Bemba avait donné tout son effort, tous ses contacts et tout son argent derrière Fayulu. Derrière Fayulu. Sous le régime de Félix, Bemba a récupéré tous ses avantages. Il a été même payé. Et vous pensez que Bemba est populaire à l'Équateur? Le problème, ce n'est pas d'être populaire à l'Équateur, Nzanga, Bemba, ou les gens que vous êtes en cité, les noms. Le problème est que les gens de l'Équateur ne se retrouvent pas par rapport à ces aventuriers-là, les voleurs-là qui doivent être en prison. Des gens tels que des Jean-Pierre Bemba doivent se retrouver en prison. Mais votre président, Félix, lui a donné tous les avantages. Récupérer tout à un grand leader. Grand leader en quoi? Dites-moi, ne fût-ce que 10 km de route que Bemba a construit. José Makila, même sous le régime de Kabila, il a construit des routes à Koula jusqu'à Zongo. Ils ont fait des travaux. Bemba a été le vice-président de la République démocratique du Congo. Après Kabila, c'était Bemba. Mais là où Bemba vient, là où il s'est réfugié, là où il y a des Congolais qui viennent l'acclamer à chaque instant, qu'est-ce qu'il a fait chez lui? Et il est maintenant avec Félix. Dites-moi quelque chose de tangible que Bemba est en train de faire. Sinon, de s'enrichir lui-même. De gagner l'argent des contribuables pour sa poche. Et votre leader, Félix, donne à Bemba tout ce
ses avantages parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Bemba. C'est de ça qu'on parle. Vous voulez parler du MPR, tout ça? Mais Bemba était la personne qui était en train même de faire l'argent de Mobutu. C'est lui qui faisait tout pour changer les haïts en dollars et les donner à Mobutu, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous voulez qu'on vous dise certaines vérités? Je milite seulement là-bas. Alors arrêtez, Félix n'est pas parfait, mais on va le soutenir contre Kagame. Félix pourra faire mieux, mais il s'entoure des aventuriers qui détruisent les Congos, mais nous allons le soutenir contre Kagame. Les opposants congolais veulent aussi être à la place de Félix parce qu'ils ne se sont pas préparés. Tu as vu déjà un opposant qui demande à ce qu'on réduise le salaire de député, et ça à moins que professeur à l'université. Professeur à l'université, médecin, avocat ou juge, qui a plus de la valeur? Aux États-Unis, les avocats gagnent des centaines et des milliers de dollars. D'abord, prestations d'abord. Mais en RDC, les avocats sont des gens qui commandent derrière vos députés que je vais tous mettre en prison. Kagame, exemple. Arrêtez vos fanatismes tribalo-aînés contre ce que je dis. Et moi, je ne veux pas me taire de toutes les façons. Je ne suis pas quelqu'un, quand vous dites quelque chose, je vais me taire. Moi, je souhaite même être dans vos plateaux. Et qu'on discute exact. Mais donnez-moi les minutes. Vous pensez que vous parlez beaucoup? Ah ben, on parle beaucoup. Ah, on sait ce qui va se passer dans des grands salons. Les choses se font. Qu'est-ce que toi, tu as fait? J'ai récupéré Isangi. Moi, Bissa. J'ai récupéré la ville d'Izio, au front. Premier au front. J'ai récupéré Bumba, Bouta, Doulia. Au front. J'ai récupéré Lissala, au front. J'ai récupéré Binga, au front. J'ai récupéré Akula, au front. J'ai récupéré Gemena au front. Bemba était derrière, loin. Bemba ne pouvait pas venir si moi je ne confirme pas que les choses, terrain Zakalme quitta et il vient avec l'hélicoptère des Ougandais descendre. Moi j'étais au front. Mes sœurs étaient violées au front. Donc quand on parle de choses sérieuses de notre pays, arrêtez. Ce n'est pas un plaisir quand je dis que je veux être candidat. Parce que je pense que même tous les gens qui viennent devenir candidats aujourd'hui, ils disent qu'ils sont contre. Vous étiez en train de dire que Mobutu. C'est aujourd'hui que Nicolas Kazadi peut dire que 30 ans, Kagame est en train de nous combattre pour nos minéraux. Mais vous oubliez exactement une simple chose. Que vous n'avez même pas une idée. Que Kagame est entré en RDC avec AFDL, avec la bénédiction de l'IDPS. Vous voulez que je vous rappelle ça? Kagame est entré. Moi, j'étais à Kin quand Kagame est entré. Quand AFDL est entré. La ville est tombée le 17. Mobutu est parti le 16. Et nous avons quitté Kinshasa le 16. Bateau technique, je peux vous expliquer tout ce qui s'était passé. Donc moi, je me suis préparé durant 20 ans. Et j'ai compris les erreurs de mes vieux. J'étais avec Baramoto, Nzimbi, ma voix. Et ils m'ont envoyé parce qu'ils ne parlaient pas anglais. C'est moi qui parlais anglais. C'est moi qui parlais l'anglais et la culture africaine. C'est-à-dire que... La raison que j'étais sorti avec ces gens-là, parce que j'avais la langue française facile en anglais. Je fais lier à l'ISP Mazangungu anglais la culture africaine. Allez vérifier. Allez vérifier. J'ai participé avec eux
quand il s'est renseigné combien un kilomètre coûte pour passer en goudron, Makambonyon Soto, Badamise, Makambonyon Soto. Je sais la réponse de Baramoto, la réponse de Mavoa, la réponse de Nzimbi, la réponse d'Amouri, la réponse de Mukobo, la réponse de Bolozi. J'étais avec ces gens-là et ils se disaient ceci. Écoutez-moi, je vais vous dire aujourd'hui. Tout baby ça qui m'bokawana. Moi, j'étais là-bas, simple garde du corps, sous-lieutenant. Mais j'écoutais. Je me suis préparé. Et le général Mokobo qui est mort, un jour, il m'avait mis à côté. Il m'a dit, nous allons partir. Mais tout ce que toi, tu écoutes, cela doit t'aider à ne plus faire les mêmes erreurs de vie enfin. Mais vous venez, moi, je ne suis pas analyste sur le plateau de télé, jamais. Je vais mettre de l'ordre dans ce pays. Je ne sais pas, vous parlez charabia, anglais, vous voulez que je parle en chiluba, en lingala, en kingwandi, en kimongo pour vous comprendre. Parce que je connais la réalité de ce pays. Je sais exactement ce qu'il faut. Je sais exactement ce qu'il faut donner à Kagame et comment. On vous parle des infiltrés, vous dites non, tous les Banyamulenge ne sont pas comme ça. Mais quand dès qu'on arrive à l'histoire de la sécurité nationale, est-ce que dans les services de renseignement rwandais, nous avons des Congolais au Rwanda qui ont eu des nationalités? Nous avons des Hutus au Rwanda qui sont dans l'armée. Est-ce que vous les voyez occuper les positions stratégiques au Rwanda, en Ouganda, aux États-Unis, même en Angleterre, même en France, même à Londres? Les gens qui occupent les positions stratégiques, s'ils ne sont pas le fils du pays Yamakila, ils sont toujours contrôlés. Avant qu'on vous donne des responsabilités, on doit se rassurer. Boutu wapi, la majorité vient de AFDR. Boutu wapi, la majorité ne sont pas des Congolais, mais ce sont des Rwandais qui sont devenus des militaires congolais et qui occupent des responsabilités congolais et qui s'appellent des Banyamulenge. Et vous voulez que moi je vienne vous raconter ce qui salade dans l'avenir? Vous savez, vous avez peut-être commencé vos émissions 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, c'est depuis 2011. Mais vous avez peut-être commencé les combats pour libérer les Congos depuis 2011, la majorité entre vous, durant les élections de Tshisekedi ou Lumumba. Vous voulez que je vous rappelle quelque chose? Moi, j'ai commencé ma révolution en 1997. Nous avons tenté de renverser le pouvoir. Nous avons même pris les armes contre le régime de Kabila pour récupérer notre pays. Donc, soyez conscients à qui vous parlez. Même si on est tous mélangés ici dans la diaspora, on est mélangés dans les groupes de gens qui ne savent pas ce qu'il faut. Moi, je suis commando breveté. Je suis breveté à 7 ans. Breveté par les Égyptiens, anti-terreau. Breveté par les Israéliens, anti-terreau. Donc, il y a beaucoup de choses, quand vous êtes en train de parler, sur le plateau, que les gens sont en train de nous écouter, moi, je demande le respect. J'ai beaucoup subi, parce que les gens pensent qu'on est des analystes. Moi, je veux être président du Congo pour mettre de l'ordre. Vous voulez analyser pour défendre soit Félix, soit quelqu'un. Vous voulez rester dans le parler. Mais s'il faut changer les choses, Gandhi a dit ceci. Devenez le changement que vous voulez. Si vous êtes député, mais vous devez appartenir à une classe politique. Si vous voulez vous ranger dans une situation, vous devez vous appartenir dans une classe politique. Il y a IDPS, ceux qui peuvent perdre son ennemi. Moi, ma classe politique, c'est mon boutiste non corrompu. Le respect que les Aïrois avaient dans le pays Afrique. Et je me rappelle même à Djane avait invité Moko à confronter Nganaye.
la Kinshasa, c'est Pascaline, tout ça. Mais cette femme-là, j'ai suivi l'émission jusqu'à la fin. Elle a dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas compris. Elle vous a dit, sur le plateau, vous ne l'avez pas contredit. Félix Alignazongisa, Kongondenge Zaïre Zalaka. Analyse communicatrice, il y a eu des personnes. Quand vous allez chez vos parlementaires debout, ils vous disent Félix Azali, moi, na Mobutu. Mais c'est les mêmes Mobutu que vous avez vilipendé, vous avez insulté. Je m'en moque vraiment des fois quand je vois des gens essayer de. On parle. Vous connaissez tout. Vous connaissez la construction. Vous connaissez. L'électricité, vous connaissez la politique. Moi, je ne connais pas tout. Je connais des choses, l'ordre et la discipline. Ça, je peux le mettre. Je n'ai même pas besoin de la démocratie pour mettre de l'ordre. Je n'ai même pas besoin de la dictature pour mettre de l'ordre. Si on met l'ordre et la discipline, chaque personne va s'arranger à sa façon. Vous avez Nicolas Kazadi. Qui vient de l'IDPS, qui ont combattu Mobutu pendant 32 ans, et qui se permet, si une chaîne de la télévision nationale, de dire ceci, depuis 30, plus de 30 ans, bientôt 30 ans, Kagame, souci n'a pas été intérêt à Bissau. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est l'IDPS qui a fait entrer l'AFDL en RDC. Le fait Étienne Tshisekedi du Wamulumba était parti même jusqu'à Kigali. Vous savez, quand on ne parle pas, ce n'est pas qu'on ne connaît pas. Moi, Bissa, je suis devant vous ici. Je prenais les cartons d'argent dans Kanchach, dans Kachakav. Dans Nango, dans Tikina Limité. Avec mon équipe. Moi, Bissa qui vous parle comme ça, Mobutu s'est fâché quand Tshisekedi était menacé, bouleversé. Il appelait Nzimbi, Bahamoto, tous ces gens qui avaient la responsabilité, il y a qu'au calmer bateau et qui avaient osé toucher la main à Étienne Tshisekedi du Wamulumba. Mobutu. Il y a une photo qui circule à Nakin, Basoda Basimbi. Etienne Tshisekedi, trois personnes derrière ces gens-là, ce sont mes vieux et mes instructeurs. Pour protéger qu'aucune chose n'arrive au président Etienne Tshisekedi Wamulumba à l'époque, quand il était opposant. Qu'est-ce que vous savez? Vous ne savez rien du tout de l'histoire du Congo. Vous savez juste, Mobutu Mamboka, tout ça, ma fankoulo. Si Mobutu a été mauvais pour vous, Mobutu était bien pour d'autres personnes. Est-ce que Félix est parfait pour tout le monde? Félix et Antoine Tshilombo, est-il parfait pour tout le monde? Dans le pouvoir, quand vous avez le pouvoir, les œufs doivent être cassés pour les maquilles en Akatia eux. Il va y avoir des victimes. Sous le régime de Mobutu, documenté dans les rapports de CIA, il n'y a eu que 80 000 morts. Je ne minimise pas. Morts directes ou indirectes. Mais aucune personne ne peut dire que il était le responsable, Mobutu était le responsable de la mort, comme vous accusez Kabila, et demain on pourra aussi accuser Félix et Tshisekedi Tshilombo. Sous Kabila, il y a eu au moins 12 millions de morts. Mais vous avez béni Kabila pour qu'il rentre en RDC. AFDL. Mobutu, comprenez? Vous savez, moi j'ai rencontré en Côte d'Ivoire des Congolais qui étaient devenus des Ivoiriens, mais qui travaillaient dans les ministères de la Défense. Mais ils étaient des Ivoiriens. Quand vous parlez avec eux, ils vous disent que nous sommes des Ivoiriens. Nous ne sommes plus des Congolais. On doit protéger notre pays. Moi, j'étais arrêté en Côte d'Ivoire, dans la DST.
J'allais être rapatrié à Kinshasa. J'étais arrêté en Afrique du Sud. Dans maximum prison, il y a Pretoria. On allait être rapatrié en RDC. Et en Afrique, ce que vous avez, des Botswanais, des Zimbabwéens, mais des Noirs quoi, qui font le travail pour défendre le pays où il y a accueilli. Mais en RDC, nous avons des gens que nous avons accueillis, mais qui ne servaient pas le pays. Le président Félix à Londres vous avait dit, si vous êtes des Congolais, agissez comme des Congolais. Défendez votre patrie. Les Banyamulenge sont nos frères. Vous vous souvenez de ces paroles-là? Mais quand on vous parle, vous pensez qu'on attaque Félix. Vous pensez que vous ne connaissez rien. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je suis, moi, je sais, j'ai été comme ça. Moi, j'étais militaire, je peux vous... On décane à Kinshasa, posez-le. Les commandants de la police nationale, il y a RDC. C'est moi qui étais parti lui prendre en Afrique du Sud pour la même année. C'est moi. Il parlait ni anglais, ni rien du tout. Avec un faux passeport. Vous voulez que je vous explique beaucoup de choses en RDC. Beaucoup de commandants, même dans ma Katanga, dans ma Lula, dans ma Soudan, dans ma Zawada, ou dans ma Soudan, dans ma. Mais quand on dit que le président Félix doit faire les choses correctement, c'est pas qu'on est contre lui. Parce que nous voyons que l'opposition congolaise est médiocre et mauvaise. Ils veulent juste aller au pouvoir sans pour autant comprendre ma solo négozobetama d'un niveau assez. Mais vous voulez stigmatiser les gens parce que vous êtes d'une même tribu ou bien d'une même langue, vous êtes des balouba comme Félix. Vous pensez que toutes les personnes qui peuvent critiquer Félix ne sont pas ce sont les gens qui soutiennent le MPA. Est-ce que vous savez au moins ce que le MPA a fait à nous, dans nos territoires? Juste le fait d'être les gens de l'Équateur, nous étions codés, codés, trendés. C'est quoi la région, la province, la tribu? Il y a le Congo, Mobimba, Ozaki, na codé trendé. Donnez-moi un nom, juste un nom. Il y a projet, il y a Batumba Koda Bangoko de Trondé. Sous le régime de Mobutu, la majorité des gens des Balouba qui étaient intelligents occupaient les positions stratégiques au sein de notre armée, au sein de notre administration. Je dis bien la majorité. Je le prouve et je peux vous les présenter. Quand vous dites que non, Mobutu, Isaïka, Banga, Anabanga, dites-moi dans des responsabilités publiques. C'est comment Makamboya tribu pour nommer. Mobutu nommé par rapport aux qualités des personnes. C'est vrai qu'il protégeait son pouvoir, mais en réalité, il y a ma responsabilité, il y a ma technique qui est Mboka. Il ne choisissait pas que les gens de l'Équateur. Il vous a dit, mon chauffeur, Azamoto Abazaï, Moto O, Azamoto Yabo. Mais vous venez ici nous rencontrer des bobards. Écoutez, moi je me suis préparé pendant 20 ans, je ne sais même pas combien de temps vous vous êtes préparé. Ok? Moi je suis un militaire simple que les Congo a abandonné. Et les Congo... Quand les gens disent que quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un me dire avant, à l'époque, ou qui m'a... Moi je n'ai jamais fui l'armée. Jusqu'au moment où je suis là. Si le gouvernement Félix veut que Bissa rentre au Congo, revient pour combattre Batouana, je le ferai. Vous regardez mon passeport? C'est écrit tous les pays sauf la RDC. Je vais vous montrer là. Vous regardez? Valid for all countries, pas la RDC. Donc quand vous dites, oh, élection est bandi, Makambo est bandi, Bokendosa, Makambo na Congo. Je fais l'interview sur Radio Okapi en RDC. Je dis ceci. Je refusais la nationalité irlandaise parce que je sais, pour assumer les responsabilités dans un pays, le Congo demande à ce qu'il faut avoir la nationalité congolaise est inné et indivisible. Tous mes enfants sont des Irlandais. Je travaille et je gagne au moins par année plus de 100 000 cas. Chaque année,
Divisez ça par 12 mois, vous allez avoir peut-être une idée. Et ça fait depuis 15 ans que je travaille comme ça. Depuis 15 ans. Donc quand vous parlez aux gens, ayez quand même un minimum de respect par rapport aux gens. Je ne suis ni Boketchou, ni les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter les gens. Moi, je suis un mobutiste non corrompu. Les derniers avions qui étaient avec les mobutistes, j'étais dedans. J'étais le plus jeune, mais j'étais dedans. J'étais le seul. J'étais resté à l'aéroport. Avion matin, ils ont laissé un taxi. Et qui était pour moi, ils la matin avion, ils ont laissé un avion à Mobutu. Historique, est-ce que vous savez, Mathieu? Quand on est à Abidjan, ba vie ba okendete moko na bango moto azana ba seke makambo balinga ba kondane bango ezangai ba moto nzimbi mavwa mokobo amulio azalo na police na Congo général la police à Congo ngala yaki na ngana hotel moko na zo uta na zo ya na tongo bwe pa nzoka ndeba kende pa banganga na bango ba bisi bo okay moi na wana zana chance azana moto na komi bwe ono vient amon va où prison na bango mbala moko. Des choses que je ne savais pas. On était parti avec les Sangoma en Afrique du Sud. Vous savez les Sangoma? Quand on voulait renverser Kabila, le père. Je n'ai pas Simba Kiste dans la vie. Et la personne qui m'avait dit Bissako Simba Kiste, c'était Baramoto. Abi, toi, tu as l'étoile naturelle. N'ose pas. Sangoma Bengalangaï. Je me suis dit, ah, mais pour la nini, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Je croyais que c'était l'or, ma bête, tout ça, ma nini, dans un moto, ma bête. Alors qu'en réalité, quand j'entrais, moi, t'es au bête à ça. En Afrique du Sud, hein. Et on a pris un garde du Colmo, on a couvert ma samba. Et il est venu faire l'interprétation, parce que c'est moi qui devais faire l'interprétation, c'est moi qui connaissais tous les secrets des vieux. Nos imams en bas en Afrique du Sud, on demandait lui, posez-lui des questions. Il va vous dire. Abeta ba vie ba mbong mo ya niveau mo ya salo, nga bi mbong bi maté ba nini. Na dernière mi ta déjà mbong mo se kende déjà. Il nosi mwamba est vivant. Nosi mwamba est vivant. Et même quand on avait commencé la rébellion, la personne qui voulait qui avait l'opportunité à rébellion na Congo, ils avaient comme on est Roger Mwanangele. Roger Mwanangele. Ba rébellion bo yoka ya bemba tout ça c'était pas lui. Kolokop ezaki fachano ya Nigeria na Roger Mwanangele. Vous voulez qu'on vous parle comment? Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir seulement respecter les gens. Si vous venez sur le plateau pour être de je vais dire quoi de des analystes, des gens qui vont donner des leçons, des gens qui comprennent, dites-moi ce que vous faites au fait. Dites-moi ce que vous avez fait. Montrez-nous les maisons que vous avez construites. Ou bien montrez-nous les dossiers que vous avez défendus. Si vous avez un avocat, vous avez un droit, vous avez. Mais sous le régime de Kabila, beaucoup de gens ont un. Mais ils ont détruit le Congo. Le Congo n'a pas besoin de gens. Le Congo a besoin de gens qui vont aller se sacrifier et mettre de l'ordre et de la discipline. Quand vous n'avez pas ces deux qualités-là, faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui disent que non, vous en avez pas mouche au gars. Mais écoutez-moi bien. J'ai un objectif à atteindre. Et aucune chose que je n'ai jamais n'a je n'ai jamais dit que Kagame c'était un bon président. Jamais de la vie. Madame Abotama. Kagame, c'est lui qui a détruit le Congo. Je vais expliquer que nous avons interprété le régime à Mobutu. Tu es dans le ministère de la Défense. Nous avons interprété le régime à Mobutu. Tu es dans le ministère de la Défense. Tokima, le dossier Moussousou, na Kunda yango tilo na Kinshasa, na arme na AK-47. Ba tia ba Grèce. Moi, ba Grèce. Na se ma belle. Na ba dossier. Y a ba NCA.
National Security Agency Afrique du Sud. Par rapport à moi à Mobutu. Par rapport à implication à Mayele. Par rapport à ma généreux. Par rapport à ma français. C'est moi qui traduisais ces choses-là. Donc du coup, soyez posés. Restez calme. Et comprenez que vous n'avez pas affaire à un Moutoyeka à lobby, non. Demandez à Delice Sanga. On était na ngana Delice Sanga, Thomas Luaka. Na Kisangani. Na Wageni après Forestier. Le combat de Kisangani contre les Rwandais wa Uganda contre les Rwandais là-bas. J'étais là-bas. Demandez à Jean-Pierre Bemba. Demandez. Est-ce que vous avez déjà vu Papa Mbanda même de son vivant? Quand je dis que Papa Mbanda est dans la faute, je soutenais, tu sais qu'elle dit. Vous avez attendu une fois Mbanda venir dire sur le plateau que Bissau n'a pas escroc à Zabou. Vous avez attendu ça? Vous avez attendu déjà quelqu'un, un Congolais, à Télémi à contredire. Quand je parlais de l'histoire de Tshibangu, c'est moi qui avais mis les contacts avec Tshibangu, avec Mbanda. Et je dis à Mbanda, restez là-bas, nous ne voulons pas que vous soyez au devant. Mbanda m'avait répondu quand Kandido Kuki était témoin. Odo Pambu à Londres était témoin. Odo Pambu. Oto Lingi Binoba Abokenboso. Et je lui ai dit. Et même quand les gens faisaient des émissions, j'ai dit, arrête, papa, arrêtez. C'est pas que je lui ai dit. Pas dit. Je lui ai dit, vous êtes en train de diviser les Congolais. Même si le vieux est mort, il y a beaucoup de choses qu'il avait dit qui sont. Et d'abord, Mbanda, je viens du même village que Mbanda. C'est Mbanda qui a payé mes études. Pour avoir un diplôme d'État. Donc, à cause à Moututeke, à cause à contre Mbanda, c'est mon vieux. On vient d'Abou Mombazi, nous sommes des Parisiens. Tout ça va descendre à Bobozo. Oui, Bobozo. Celui qui avait donné le pouvoir à Mobutu. C'est le général Bobozo. Quand vous écoutez à Bouzi Paris, l'Équateur, Mobimba, place au courant, Zaki a Vangbadou, Zaki a Bouzi. Nzele a asphalté, Zaki a Bouzi. Donc, quand on est en train de parler l'histoire du Congo, ne rêvez pas que vous êtes en train de parler avec des gens qui ne comprennent pas. Ne pensez pas que vous êtes là avec des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je demande juste du respect. Et moi, je suis comme Félix, au fait. Je sais identifier quelqu'un qui essaye de me piéger, de me faire des jeux qui n'ont pas de sens. Moi, je sais me défendre valablement. Valablement. Demandez à Pichu Mayele. Il est en Belgique là-bas. On était parti sur pour qu'on mobilise les Congolais quand on avait créé l'histoire avec John Tshibangu. Sur le plateau, il voulait faire. Je m'étais levé vers lui. Je devine. Demandez à Jeannot Kabuya, il va vous donner les vidéos. Il voulait accuser tout le monde des Rwandais. Je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé. Moi, je suis commando. Je fuis les combats, c'est vrai. Entre les amis, je ne suis pas quelqu'un que. Surtout, moi, on s'est dit pardon. Mais je suis breveté anti-théo. Mais peut-être que ça va bien. La France, on est petit Miano, on est belé. On est masse, on est belé, on est colonel, on est généraux. Na Congo. On est généraux. On est anti-terro, breveté commando. On est arabe. Et une fois, on est sur le belé. Si je vous donne mon âge, vous n'allez pas croire que c'est mon âge. Imaginez quel âge moi j'ai maintenant. Et puis, il y a un plat. Moi, il y a un plat. Parce qu'une fois soldat, tu resteras toujours. Je ne parle pas des soldats de Kadogo qu'on a formés ici. Savoir respecter les militaires. Et à tous ceux qui insultent les militaires à l'Est, en RDC, faites attention. Moi, toutes les personnes, même dans la diaspora, ou la blagade de gauche à droite, les moments venus, ils vont répondre. Félix ne restera pas au pouvoir pour toujours. Moi, ma crainte est que, après Félix, aventurier, on a Kabila Bazonga et Sous.
C'est pourquoi moi je me prépare. Moi je serai président du Congo. Je serai président du Congo. Je vais mettre de l'ordre dans ces pays. Ça, ce n'est pas question à rediscuter. Ce n'est pas une question de temps. Je ne limite pas ma décision sur le temps. Parce que le temps, c'est Dieu seul qui décide comment cela va arriver. Mais moi, je sais les problèmes du Congo. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de la discipline. Les gens ne vont pas à prison. Les gens gagnent de l'argent comme des fous. Ceux qui devraient gagner de l'argent normalement, les médecins, les enseignants, les professeurs d'université, les juges ne gagnent pas de l'argent, mais des aventuriers politiques et qui, au chancelier Opamba comme député, il va commencer à dire ce qu'il va. Moi, je vais juste remettre le pendule à l'heure. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas non plus. La Bible, c'est ce que la Bible dit. Nous avons environ 150 000 personnels au sein de l'armée, mais on importe les riz. Pas Madesu, pas alors que le Congo est à terre fertile. Mais nous avons 150 000 personnels armés. Prenons ne fût-ce que 20 000 personnels armés. Est-ce que vous allez importer à manger pour les militaires? Prenez ne fût-ce que 1000 personnes. Bah, ça, là, kaka. Bah, meubles, menuiseries. Y'a biloko, y'a bandako, y'a soda. N'dengenini, bah, fanda, bah, kiti, bah, salon, bah, biloko, y'on surtout. Est-ce que nous allons vraiment importer des choses? Vous prenez des Libanais, vous les mettez devant. Bande des aventuriers. Je vais vous arrêter. Moi, je vais commencer à arrêter jusqu'à la Deuxième République. Ça, je vous l'ai dit. Régime à Mobutu. Les gens qui sont vivants, les Atundu Liondo, bah, tout dans la position stratégique. Chaque personne a une responsabilité. Ok, Mbok, on a besoin de télé, ma télé, mission, moté. Je veux les arrêter. Alors, arrêtez vos tempéraments. Vous savez, faites très attention. Ne mettez pas ces histoires comme un combat trivi. Et la majorité des gens qui essayent. Il y a une position moko ya méchant, c'était pour diviser ba congolais. Ils a tribu moko oyo, ils a tribu parce que ba on soutenir président de la République, ba ça la même tribu qu'il y a. Ba OK, non, on a cadre wana. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je vous dis encore une fois. Chacun a chez soi en RDC. Moi j'ai chez moi en RDC. À Abouzi, papa koko na ngai ninga Aza ba milliers d'hectares. Aza ba or, ba diamant. Et si vous savez pourquoi on n'a pas exploité l'or et le diamant à l'Équateur, vous pensez que ça n'existe pas. Vous êtes en Belgique, non? Allez à place là-bas, non? IGCB. Na ba miser là-bas. Bon, quand on a la documentation, ben, et puis Sabino, minéraux ni les en Équateur. Nous avons du pétrole en Équateur. Ils attendent que tu aies envié Kassai pour un diamant. Toi, on a coltan en Équateur. Ils attendent que tu aies envié Katanga ou bien Kivu. Non. Mais moi, je vais assister une fois à la réunion. Il y a Batou, on va soutenir. On va soutenir les maréchal Mobutu. Et Général Mokobo avait posé une question au maréchal. Les Belges étaient venus pour qu'ils exploitent l'Équateur. Na kota ko li diamant, ça. Pourquoi ça n'est ma banga là ba rouchi wala. Ils ont rempli dans le diamant, dans le mercure. Ils ont terré dans le mercure et le bimaï qui est dans le maï. L'Équateur.